Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. Je pense que tu l'as compris au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on est en détente, on est entre nous. Donc installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes. Je n'ai pas forcément préparé de script, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais je vais simplement discuter avec toi, te partager mon expérience et je suis persuadé que tu pourras en tirer des leçons. OK Donc en ce qui concerne la thématique aujourd'hui, c'est pas très compliqué, on va parler des émotions et je vais essayer de te faire prendre conscience d'une chose, c'est que aujourd'hui, sur les marchés financiers, si tu veux être rentable sur le long terme, eh bien tu vas devoir te comporter comme un robot. Alors c'est quelque chose que j'aime bien dire sur les réseaux mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité de développer ça et aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer concrètement eh bien pourquoi tu dois te comporter de cette manière. OK Donc pour la faire simple aujourd'hui sur les marchés financiers ce que tu dois comprendre c'est que en fait on a tellement de liberté qu'on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi et à perdre le contrôle de nos émotions. Donc si tu perds le contrôle de tes émotions, qu'est-ce qui se passe concrètement Premier point, tu vas prendre des risques par exemple qui sont démesurés. Deuxième point, tu peux tomber dans l'over trading et prendre beaucoup beaucoup de positions. En bref, tu l'as compris, la liste est encore longue. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se produit. Quand tu perds le contrôle aujourd'hui de tes émotions, je pense que tu es peut-être déjà passé par là. En tout cas, tout trader qui se respecte avec un minimum d'expérience sur les marchés pourra euh, voilà, témoigner de tout ça. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de garder un contrôle, j'ai envie de dire, complet euh, sur tes émotions pour faire la part des choses. Et c'est le seul moyen pour toi aujourd'hui d'être rentable. Aujourd'hui, le problème, c'est que vu que sur les marchés, on a beaucoup de liberté, eh bien, on a tendance un petit peu à euh, voilà, sortir de notre plan de trading, de sortir un petit peu de notre stratégie et de se retrouver donc dans des situations qui sont un petit peu délicates. Le truc aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'être humain, on va dire, on n'est pas habitué à avoir autant de liberté aujourd'hui. Si tu es étudiant, je pense que tu pourras en témoigner, mais à l'école, tu n'es pas libre aujourd'hui. Tu as toujours un professeur qui est là pour te recadrer, tu as toujours un surveillant qui est là pour te recadrer si tu fais un petit peu n'importe quoi. Si tu travailles et que tu n'es plus forcément dans les études, bah, je pense que tu es d'accord avec moi pour me dire que tu as peut-être un patron, tu as un directeur ou tu as quelqu'un qui est là pour te surveiller pour voir si tu fais bien ton travail. Euh, si tu es dans la rue et que tu commences à faire euh, voilà, n'importe quoi, il y aura toujours un gendarme qui est là pour te recadrer. Enfin, tu l'as compris. En bref, on n'est pas habitué à avoir autant de liberté dans La vie, comme ça, de manière générale, donc forcément, quand on se retrouve sur les marchés et qu'on est tout seul, ben on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Si tu as 5000 euros sur un compte de trading, rien ne t'empêche de prendre des risques démesurés et de tout perdre sur la journée. Ou alors, tu peux aussi faire un x5 x10, on est d'accord, c'est dans les deux sens. Mais du coup, on comprend une chose c'est que, étant donné qu'on est libre, eh bien on peut faire n'importe quoi. Donc, le seul moyen entre guillemets de contrer ça et de garder, on va dire, une discipline d'avoir des résultats qui sont stables sur le long terme, ça va être tout naturellement de limiter nos actions sur les marchés. C'est le seul moyen. Moyen pour nous de contrôler nos émotions. Et comment on va mettre du coup en place ces actions C'est très simple, on va faire en fait un, un plan de trading. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je crois que j'ai même fait quelques vidéos sur le sujet euh, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à voir tout ça. Et en fait, un plan, c'est une liste, voilà, vraiment une liste assez longue avec plein de règles qu'on va donc mettre en place et qu'on va respecter. Et ça, c'est donc pour nous, entre guillemets, le seul moyen eh d'être rentable sur le long terme. Parce qu'en fait, quand on est sur les marchés, on n'a pas, entre guillemets, la possibilité de prendre une décision par rapport à nos émotions. On n'a pas, en fait, on n'a pas ce luxe-là. On ne peut pas se dire, ok, j'ai le sentiment que le marché va monter, donc je vais acheter. Ou par rapport à mon expérience, ça fait sept ans que je suis sur les graphiques. Par rapport à mon expérience, je pense que le prix va chuter, donc je vais vendre. Non, ce genre de choses n'existe pas. En tout cas, un trader rentable qui se respecte ne peut pas trader de cette manière-là, parce que malheureusement, on peut pas se projeter sur les résultats si on se comporte de cette manière-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, ce n'est pas quelque chose qu'il y à de la chance. C'est une question de probabilité. Mais pour garder un contrôle complet sur ces probabilités, pour que ce soit notre faveur, bah naturellement, on se doit quand même d'être discipliné, de suivre une certaine stratégie et un plan. Et malheureusement, si on perd le contrôle de nos émotions, de notre psychologie, on va sortir de notre plan. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va comprendre une chose, c'est que si on respecte notre plan et notre stratégie, on pourra en tirer profit sur le long terme. Malheureusement, si on sort de notre plan ou de notre stratégie, on ne pourra pas se projeter sur les résultats à venir parce que nous notre stratégie elle a été backtestée sur certaines confirmations, sur certains scénarios. Donc si on sort de ces confirmations ou si on trade des scénarios qui ne font pas partie de de la stratégie, malheureusement, n'a aucun moyen de se projeter sur les résultats à venir. Je pense que vous l'avez compris. Et en fait, quand on prend un petit peu de recul et qu'on s'intéresse donc au comportement eh bien du robot, et c'est pourquoi on dit qu'il faut trader comme un robot, bah, c'est très simple. Le robot n'a pas d'émotion. Il va simplement exécuter ce qu'on va lui dire de faire. Donc en fait, sur les marchés, il faut qu'on se comporte exactement de la même manière. Si on a un plan de trading avec une liste de confirmations ou de règles, et eh bien, on va exécuter ça sans se poser de questions, sans se dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On sait qu'on a un plan, on sait qu'on a une stratégie, on sait que ça a été testé. On a plus ou moins une idée des résultats qu'on peut obtenir si on arrive à tenir ce plan. Donc on va simplement exécuter. Et l'idée aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que quand on arrive sur les graphiques, on sait par avance ce qu'on doit faire. On sait par avance quel scénario est attendu. On sait par avance plus ou moins le risque qu'on va prendre. On sait à quel moment on doit entrer, à quel moment on doit sortir. Et de ce fait, on n'a pas besoin de réfléchir. Ce qu'il faut comprendre en trading, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de réfléchir. Et dans tous les cas, il ne faut pas réfléchir. Il faut juste exécuter. Si tu es sur les graphiques et que tu veux réfléchir, un moment donné, tu seras impacté en fait tout simplement par tes émotions. Si tu vois que le prix commence à monter, tu es un être humain, euh, voilà, comme tout le monde, tu vas naturellement vouloir acheter. C'est très rare les personnes qui se disent Ok, le prix est en train de monter, vas-y, je me mets à vendre très Compliqué, c'est pareil. Si le prix est en train de chuter, euh, très rares sont les personnes qui ont euh, bah, potentiellement la voilà, placer des ordres à l'achat. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on n'a pas en fait ce côté instinct qui doit intervenir. Il y en a beaucoup qui ont voilà ce truc de ouais, moi j'ai l'instinct, je, je ressens les choses, je vois le marché se déplacer, j'arrive à anticiper. C'est totalement faux, même si tu as 15 ans, 20 ans d'expérience, même si tu as peut-être un sentiment, tu te dis que ça va monter, ça va chuter, tu ne peux pas en fait te baser uniquement sur ça. Pour prendre ta position, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, et c'est pourquoi on a tendance à dire qu'il faut donc trader comme un robot parce que le robot ne se pose aucune question, il va simplement exécuter les choses qu'on va lui donner. Alors je sais que dit comme ça, ça peut paraître simple, on se dit ok, on a un plan, on a une stratégie, ben bah en fait on doit juste la suivre. En fait le problème c'est que c'est très compliqué de réussir à tenir son plan ou sa stratégie, et je pense sincèrement qu'une très grosse partie des traders aujourd'hui ne sont pas rentables parce qu'ils n'arrivent pas en fait à suivre leur plan de trading. Donc il y a des traders qui ne sont pas rentables parce qu'ils n'ont pas de stratégie ou pas de plan, ça c'est une chose, mais aussi des personnes qui ont une bonne stratégie un bon plan même un bon management mais en fait au niveau de la psychologie bas malheureusement ça fait défaut donc il faut vraiment comprendre une chose c'est que ça peut pas se faire du jour au lendemain aujourd'hui si vous avez des difficultés à vous contrôler au niveau des émotions il n'y a aucun intérêt à mettre un plan de trading en place avec euh, je sais pas 10, 10 confirmations ou 15 confirmations on ne pourra pas s'y tenir comme ça euh, voilà sur du court terme l'idée c'est de faire les choses étape par étape si au début tu as un petit peu de mal à te contrôler au niveau des émotions faut essayer de comprendre déjà d'où ça vient premièrement si tu prends peut-être un peu trop de risques si tu es sur fonds propres naturellement si tu réduis par exemple, ton risque, tu auras, on va dire, plus de facilité à contrôler tes émotions. Tu pourras prendre des décisions qui seront peut-être plus rationnelles. Donc déjà, il faudrait identifier, donc commencer par identifier d'où vient le problème. Pourquoi tu n'arrives pas à garder, entre guillemets, un contrôle sur tes émotions. Ensuite, il y a aussi pas mal de personnes qui ont eh bien des plans qui sont peut-être un peu trop complexes et qui naturellement sont compliqués à suivre. Aujourd'hui, si tu as un plan de trading et que tu as 20 confirmations, honnêtement, c'est difficile quand même de t'y tenir quotidiennement comme ça et d'appliquer ça. Donc ce que je te recommande, c'est de faire les choses étape par étape et de commencer peut-être avec une confirmation, deux confirmations, trois confirmations et de faire monter ça donc crescendo, donc de manière à ce que ça soit naturel. Je pense que tu l'as compris. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à te rassurer à ce niveau-là. Au début, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais quand tu commences en fait à bien suivre ton plan, ta stratégie et que tu fais tes premiers gains, naturellement, par la suite, tu seras plus discipliné et tu seras bien plus motivé en fait à l'idée de suivre ton plan parce que tu verras de vrais résultats. Par contre, je tiens aussi, voilà, à te mettre en garde. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont sortir de leur plan de trading, qui vont quand même réussir. Euh, on va dire par chance à réaliser quelques profits et du coup ils vont prendre ça un peu bah, comme une habitude et ils auront tendance tout le temps et eh bien à sortir de leur plan parce que voilà, sur un scénario ou deux, ça s'est bien passé. Et donc, en fait, ils vont tout simplement faire une généralité. Et en général, ça termine très, très mal. Et d'ailleurs, pour te parler un peu plus des émotions, donc sache qu'on en retrouve deux tu as les émotions qui vont intervenir quand tu es sur une série de gains. Et tu as les émotions qui vont donc intervenir sur une série de pertes. Et malgré ce qu'on peut croire, les émotions les plus compliquées à maîtriser sont les émotions qui vont intervenir suite à une série de gains. Parce que naturellement, tu auras l'impression eh d'avoir tout compris sur les marchés, tu auras énormément de confiance en toi. Et en fait, c'est à ce moment précis que tu vas prendre, on va dire, des décisions qui sont peu rationnel, tu vas prendre des trades qui sont pas forcément dans ton plan, ou tu vas prendre des risques qui sont peut-être un peu démesurés, et c'est à partir de là que vraiment ça va tourner un peu en catastrophe. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui vont eh bien prendre quelques jours de repos euh, après avoir réalisé des pertes, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre aussi quelques jours de repos, eh bien quand on a enchaîné plusieurs gains pour tout simplement prendre un peu de recul et revenir sur les marchés donc avec j'ai envie de dire des émotions qui sont un peu plus euh, calmes et un peu plus apaisées parce que c'est vrai que quand on est dans l'euphorie, quand on est content et que voilà, on réalise beaucoup de gains, bah, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, que ça va toujours continuer de cette manière-là jusqu'à ce que le marché nous corrige entre guillemets et qu'on réalise une perte qui est quand même assez conséquente et là on aura à tout remettre en question donc voilà en tout cas je pense que j'ai pu faire le tour du sujet j'ai pas voulu faire une vidéo trop trop longue non plus mais si c'est voilà une thématique qui t'intéresse n'hésite pas à me dire ça dans l'espace commentaire et je pourrais bien sûr te faire d'autres vidéos peut-être encore plus détaillées encore plus poussées t'as vraiment aucun souci de mon côté n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos n'hésite pas aussi à liker ça fait toujours plaisir et pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer en trading et qui ont peut-être besoin d'un accompagnement et eh bien n'hésite pas à réserver ton appel en cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo c'est un appel qui est totalement gratuit dans lequel on va voir un petit peu tes objectifs on va essayer de comprendre ton profil et de déterminer eh bien ensemble si on peut t'accompagner sur les marchés financiers. Je pense que tu pourras en tirer pas mal de valeur donc n'hésite pas. Ce sera soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe et voilà. Donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Pierre. Ciao.